du président de la République, Pélia, son excellence. Donc c'est notre but, parce que le RDPC, il faut faire vivre, mouvementer en Allemagne. Alors, revenons un peu sur votre casquette aussi de membre du comité de surveillance du Challenge en Allemagne. L'année prochaine va être une année importante pour le Challenge. Vous allez fêter un grand anniversaire. On peut en parler. Effectivement, l'année prochaine, nous organisons le Challenge, les 25 ans du Challenge à Stuttgart. Donc, nous sommes déjà prêts. On a commencé les travaux, il faut organiser. Donc, ça sera une fête. Et on va inviter, il faudra que franchement, que la fête soit bien représentée. Et un mot maintenant sur l'événement qui vous amène à Berlin. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, les Kammer Germania Awards? Kammer Germania Awards, c'est une très très bonne initiative. Franchement, j'ai été un peu surprise de leur programme. Ils ont élaboré un très bon programme depuis quelques jours. Ils étaient à Stuttgart, à Wiesloo, etc. Et quand je vois le travail qu'ils sont en train d'élaborer, franchement, c'est une très très bonne idée. Et il faudra que nous tous, qu'on apprenne, on est là pour apprendre, pour que les choses puissent améliorer certaines choses. J'encourage ce genre d'initiative. Voilà, et puis un mot sur... le gala de ce soir, vous êtes prête à faire la fête? Il y a Sergio Polo qui est là. Effectivement, la fête, c'est un couronnement. Après un temps de travail, il faut fêter. C'est dans nos mœurs, fêter. C'est le résultat du travail. Voilà. Montrer que nous sommes ensemble et on continue à le faire. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bonne fête. Hein, bon courage dans vos différentes activités. Un dernier mot à ceux qui nous regardent en ce moment. Merci, je vous dis merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Et je demande à tous les Camerounais de l'Allemagne qu'on se mette unis pour pouvoir travailler ensemble. C'est notre travail qui peut nous donner notre place. Une main ne peut pas attacher un paquet comme dit notre adage. Donc j'exhorte, c'est mon devoir, je demande à tous les Camerounais de faire un effort malgré les problématiques qu'on a. C'est le résultat. Nous sommes quand même allemands. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.